Honorable député, le président de la République, M. Jovenel Moïse, fait connaître et ouais par ouais, élection a fait et l'a quitté pouvoir par un président élu constitutionnellement 7 février 2022 qu'a venu là. D'après vous-même, est-ce qu'il y a une possibilité pour élection faite? Le président Jovenel Moïse connaît une élection à Zelle dans ce pays. Un référendum à Zelle dans ce pays. Alors, il connaît ce qu'il a fait. Les connaît les informations qu'elle gagne, au même titre que nous autres, les acteurs politiques. Et la question des élections avec le président Jovenel Moïse, je ne crois pas qu'il y ait chance ça. Lui-même, tout le monde connaît pas qu'il y ait chance ça. Il n'y a pas de légitimité, ni légalité pour le faire. Je crois qu'il y a un travail parce que je dis, c'est un combat qu'il y a mené. Il y a deux présidents illégaux dans ce pays, qui c'est Jovenel Moïse et M. Saint-Jean-Louis. Deux présidents illégaux, nous autres, nous sommes en train de conjuguer nos efforts. Nous sommes en train de faire des débattements de soi. Et pour pouvoir évacuer ces deux présidents et pourquoi pas mettre en place un gouvernement inclusif pour gérer les affaires du pays. Et parce que c'est ça, nous est là, n'a pas avancé très bien. Et président Moïse connaît avec les papes qui ont gagné l'élection dans le pays parce qu'il n'a pas inspiré confiance. Ok. Et si ça t'est arrivé et Jovenel Moïse n'a pas fait élection vraiment, si ça t'est arrivé, pas gagné l'élection, Jovenel Moïse, bon, décidé 7 février 2022, il dit le ou la façon, c'est yon moun qui élu constitutionnellement, qui a l'élection, qui gagne les élections par les unes, c'est lui la promette. Et pays a nous-mêmes qui ça nous ouais qui ça nous guette qui plan nous pour nous gérer pays a est-ce que pays a après été livré à lui-même ou bien nous déjà planifié nous gagner des plans ma quoi n'a pas arrivé là nous pas guette arrivé là parce que nous dit que nous en pleine concertation et du côté des nationaux et du côté de l'international pour nous respirer pays en Italie là. Ça fait passer 2 mois, 3 mois, 4 mois comme ça encore. Vous parlez combien de frères nationaux qui ont disparu dans le kidnapping? Combien de frères nationaux qui ont mouru? Combien de frères nationaux qui ont mouru, soit par insécurité, soit par kidnapping, soit par gang, soit par misère, soit par maladie? Nous avons responsabilité en tant que des acteurs politiques pour nous faire un dépassement de soi, pour nous mettre l'intérêt mesquin de côté, pour nous mettre la haine de côté, pour nous mettre l'hypocrisie de côté, pour nous mettre l'intérêt personnel de côté, pour ces intérêts collectifs là qui guident nous, qui dirigent nous, pour nous mettre l'intérêt collectif là devant pour nous suivre et qui permettent de gagner et unité, une entente réelle dans l'état nous, qui fait que nous entendons sur le départ de Jovenel Moïse et de M. Jean-Louis, qui sont deux présidents illégaux qui viennent en tête. Honorable député, et alors, moi, entendez quelques petites paroles qu'a parlé dans la rue. Gagnant comme si division ou bien malentendu. M'a connu. Qui gagnant en opposition. Portez une petite clarification pour les auditeurs, pour téléspectateurs. Est-ce que vraiment gagnant un malentendu, un désaccord en dans opposition? Désaccord avec division. Parce que division, c'est l'autre interprétation pour nous. Je ne crois qu'il n'y a pas de division dans l'opposition parce que moi, nous entendons déjà sur le départ de Jovenel Moïse. Peut-être qu'il y a un monde qui a un problème de méthodologie pour retirer la méthode-là qui ne doit pas inopportune ou bien inappropriée. Il y a une autre méthode. Parce que il y a des gens qui ne veulent pas ordonner, il y a des gens qui ne veulent pas immédiat. Alors nous autres, nous en pleine concertation pour nous planifier et nous avons rencontré tout le monde qui misinterprète des pas ordonné pour nous convaincre, pour nous avancer ensemble. Parce que nous avons un groupe qui compte dans l'opposition pour le départ des Jovenel Moïse. Non, nous sommes tous d'accord. Nous entendons déjà, il faut que Jovenel aller. On a ces problèmes méthodologie d'approche là
capable et paraître bah un petit problème et que n'a cherché pour nous comment on a pris. Est-ce que nous déjà gagné une feuille de route et les présidents Jovenel Moïse finalé nous même pour nous gérer pays? Moi je crois que nous avons une proposition déjà qui n'a même nous tous qui n'a travaillé sur lui pour chaque monde garder pour des corrections qui nécessaires et utiles pour une feuille de route pour gouvernement inclusif ça pas gagné pour le mettre en application côté pour créer confiance. Il va dégager synergie, il va dégager harmonie, il va créer confiance, sécurité dans le pays pour tout le monde d'accord pour aller dans l'élection. D'après ou même, le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, lui fait une déclaration et 1er mai, dans le cadre d'inauguration barrage Marion. Président fait connaître que kidnapping ça, gemet. Kidnapping ça, son kidnapping politique. D'après ou même, qui constat ou fait, qui sort comprendre, qui j'en comprendre déclaration président fait. Pas seulement déclaration ça président fait non. Président parle tout de l'argent de mété. Oui, nous t'a venir soit faire l'argent. Nous t'a venir soit faire l'argent. Eh ben OK. Nous te content n'a pas venir soit faire l'argent. Le président parle de kidnapping. 80% kidnapping sorti sélection des kidnapping politiques. Et bien content. Mais président a une responsabilité. Président là, c'est pour protéger vie et bien, pour sécuriser chaque Haïtien, protéger la vie de chaque Haïtien. Je dis à la kidnappé, et puis président connaît qui est kidnappé. Qui ça président fait? Pour qui ça président pas arrêter Montaïo? Président a ami, il a des SAP, il a brigade contre enlèvement dans la police, il a police nationale, il a force armée d'Haïti, toute force illégale, toute force répressive, dans la et il y a moyen qui est disponible pour travailler ça fait. Eh bien, pour que le président pas arrêter mon salut du président impuissant. Car il dit mon temps plus puissant, plus fort que le président. Or, même le président qui a parlé, il y a un CNDDR qui le mettait en place. C'est le fédéré gang. Or, le kidnapping, il y a fait, il connaît qui gang qui a fait kidnapping, qui côté à la monde. Là, on veut libérer un monde, on va utiliser Magali habitant. Là, on va utiliser, on fait comme si on ne connaît, on va comprendre. Or, je dis là, même là que yo pas connait côté moun yo teye avec moyen technologie depuis moun yo parler dans téléphone yo ka localiser côté yo. Oh, yo pas même besoin utiliser ça même là pour moun yo connait côté à la veille. Pour ça président pas chercher moun yo. Pour ça président pas arrêter moun yo. Ça veut dire ou bien président en connivence avec gang yo. Ou bien président connait moun yo yo puis sans patel. Il pas ka faire rien. Que président lui-même lui dit vraie vérité a. Je dis à président pas ka plaindre. Il y a un président qui a une responsabilité, c'est plein la plein. N'a pas dit président, il n'est pas capable, mandat fini, il n'est pas capable de gommer pour le pouvoir. Par la force, d'ailleurs, il va faire la mission. Depuis le président monte la plein, oui. On dit que maman président est pour la plein, il a accouché la plein, président Gandhi la plein, président jeune job président la plein, président perdit job président la plein, il fait le pouvoir par la force la plein, et pour aller la plein, ça veut dire que le président fait toute ville la plein. N'a pas dit président suspend plein les responsabilités et qu'elle assume parce que défait c'est l'église illégalement li là mais c'est l'église quand même donc li prend assumer responsabilité en attendant nous autres nous évacuer paisiblement parce que nous connaissons deux présidents illégaux dans le pays faut que nous travaillons pour nous comment à évacuer tous les deux pour mettre le pays en confiance pour rétablir la paix la sérénité et la sécurité la stabilité politique pour nous et créer confiance pour nous organiser de bonnes élections dans le pays. Honorable député, le président, lui dit comme ça. Président dit comme ça. Lui te mette 100 millions de goudes disponibles dans la caisse parlement. Qui donc, parlement te gagne 100 millions de goudes dans le budget pour te voter loi, pour te légiférer. Ou même pendant passage. Est-ce que vous êtes au courant de l'agence ça? M'bat question, m'bat président. 100 millions de gouttes, si le président n'a pas cautionné la corruption, si le président n'a pas couvé la corruption, il calé la corruption, c'est le ULCC, c'est le coup de compte, pour y avoir le carré de député de la Chambre, le grand dîner qui était question, le mari de député de la Chambre, parce que c'est eux qui étaient contre. Et si une réquisition veut aller dans la finance, pour faire poser une question, pour dire, comme ça, s'il dépassait, pour qu'il s'en dépassait. S'il pas qu'a dit s'il décaissé pour qu'il ça le décaissé et là le décaissé dans de mauvaises conditions ça fait détournement de fonds
la loi punit sévèrement tout corps qui dit que c'est mal et qui te gagne pour te faire un travail qui pas fait travail là qui aller dans l'autre poche. Ou bien est-ce que c'est majorité là comme ça t'arrive? M'pas connaît. C'est le président lui-même qui dénonce ça. Lui mandé institution qui gagne responsabilité pour enquêter sur mauvaise défense, mauvaise gestion, mauvaise utilisation de fonds qui fait de l'argent l'État, de l'argent fait païsien, de l'argent taxé païsien. Que y aurait les mounta yo pour yo même convoquer Garibodo, convoquer avec justice pour une belle explication parce que 100 millions de gouttes, ça bien utile pour aider les enseignants, pour aider les auxiliaires et les infirmières qui travaillent déjà dans de mauvaises conditions dans le pays, qui déjà yo même qui touché mal et parce que yo étaient capables d'aider yo soit d'une façon ou d'une autre, accompagner yo pour résoudre le problème qui est là-dedans. Nous croyons que ça est important. Nous président, nous souhaitons que le président montre à la nation, à le pays, à les Haïtiens, qu'il y a une volonté vraiment, pendant qu'il n'a pas commencé, on a une explication de lumière autour de décaissement, autour de 100 millions de gouttes qu'il valait de l'IA. D'accord. Et le président parlait de référendum niant qui a voté le 27 juin qui a venu là. Il dit, quel que soit Jean Saïe, tout le monde a sorti pour le voter. Parce que constitution et constitution sous constitution qu'elle était élu a li vraiment bay problème constitution 86 là vraiment bay problème d'après vous même sur le plan technique et sur le plan social et sécuritaire est-ce que ouais il y a possibilité pour et référendum ça arriver voter président connaît c'est pas vrai président connaît pas bien référendum. Président qu'on est déjà, c'est à son mot parce qu'elle gagne, la baille comme amusement, à peuple haïtien, pour y voir si ça fait date l'arrivée. Parce que le président a d'habitude créer diversion, créer amusement pour peuple là, pour peuple là, pas occuper des vrais problèmes qu'elle gagne, des kidnappings, des insécurités, des mandats qui finissent, pour le 17 février 2021, qu'on a là pour parler de référendum. N'a pas dit président, détrompez-le, référendum pour nous, c'est du passé. Référendum non. Pas fait, nous connaissons pas fait déjà, nous-mêmes n'avons occupé nous plutôt des de mandats président qui finit, qu'elle était là par la force, des peuples haïtiens qui ont souffri, qui ont mouru, qui ont tout pris en bas de kidnapping, en bas de gang, au chômage, insécurité, tout sort. Nous-mêmes, c'est de ça qui préoccupe nous. La question des référendums, c'est du passé, c'est du charabia pour nous autres, des acteurs politiques, de l'opposition. Nous pas croyons que la cafette, ni, s'il t'a des possibilités, ça, c'est pas avec président Jovenel Moïse, fait, nous pas croyons que ça pour intéresser vous même parler de lui parce que c'est menti, c'est bloc, pas de référendum dans le pays avril de 27 juin. Honorable député Arodo bien-aimé, et nous vivons dans un pays côté tout bagaille possible. Haïti, tout est possible. Et si ça t'arrivait, Jovenel Moïse passé 27 juin qu'a venir là le parler, juillet pas aller, août li pas aller, septembre li pas aller, octobre li pas aller. Qui possibilité nous-mêmes dans opposition qui ça n'a fait parce que si tout jour ça au passé moi ça au passé il pas aller parce que plusieurs fois nous au pays log en pile l'autre activité en pile monde te penser que Jovenel Moïse pas tap kembe et li rivé kembe et jusqu'à présent il est toujours dans tête pouvoir et si ça t'arrivé président Jovenel pas aller qui ça qui possibilité qui gagne. On va pouvoir ça privé. L'Éternel pas quitter privé parce que après tant y a trop de monde qui mourir. Ça fait nous autres les acteurs politiques n'a travail en synergie et entre ni monde qui gagne ces divergences pour et vider ces divergences pour unir nous pour mettre tout ça qui désigne nous de côté pour nous entendre autour de ça qui unit nous qui c'est intérêt peuple à intérêt pays là et pour utiliser couloir diplomatique pour nous voir comment nous capable débarrasser pays là de deux présidents illégaux ça qui là ou bon l'autre gouvernance mode de forme de gouvernement qui là capable venir pour mettre tout pour confiance pour capable avancer. On pas quoi n'a pas arrivé là parce qu'il y a pas pile travail qu'a fait, pas pile planification qu'a fait et ça s'est passé au passé mais nous dire à la manière de Robert Bruce 20 fois sur le métier remettre votre ouvrage. Moi crois que route nous prend là c'est pas même avec route qui te gagne yo et je dis à nous ensemble très bien nous planifions ensemble très bien parce que et il y a des compréhensions nous venir gagner ça pas le permettre que nous retirer pays à
côté de là. Honorable député, qui dernière fois ou chita parlé ensemble avec André Michel, Yori La Tortue, Maurice Jean-Charles, à plusieurs autres mouns dans l'opposition? Parce que ça qui te peuple a reproché nous, qui nous opposition, pour ça qui te fait déjà. Nous avons goumé ensemble pour nous mener nos batailles. Et là, nous presque arrivé dans la fin bataille là côté et nous prenons gagner possibilité pour nous prendre pouvoir, par exemple, nous venons diviser. Diviser parce que yon ta remè c'est lui-même qui vin chef, yon ta remè c'est lui-même qui préside qui premier ministre, yon ta remè tel poste, yon ta remè tel poste, nous fini par entendre nous et puis division, mouvement cassé. Qui dernière fois ou chita parlé avec personnalité ça yo? Et est-ce que ça pas reproduit encore pour peuple là qui te croit dans nous, qui t'a mené yon bataille et puis nous vin casser mouvement nan mè yo? Dernière réunion qui nous a gagné, parce que nous avons exactement, mais ça a fait environ 15 jours. Environ 15 jours, côté nous avons entendu nos questions, lettre ou est dit, ou pas écrit ou est à. C'est une lettre nous avons écrit ensemble. Nous avons André Michel, Rosemont Bradel, ou il a tout de suite là, pour dire ou pas. Nous avons gagné moi-même, Gérald Gilles, c'est Jean qui était là pour FND. Nous avons gagné Décolina Belma, Nes Louis, Eric Frestin qui était là pour être ensemble. C'est gagné Réginal Boulos et Jean-Aubert Lalanne, parce qu'il était là pour MTV. C'est gagné Jerry Tadji avec l'autre qui était là, parce qu'il était pour en avant. C'est gagné Steven Benoît, docteur Destinob, et avec de l'autre qui était là pour et l'autre Paul. Et on voit notre travail ensemble. Et nous avons fini de préparer les plats. Mais après, soit le 20 ou bien le 21 ou bien le 22 mars janvier, nous devons décider à écrire pour quoi et nous autres, nous décidons à faire notre déclaration conjointe, ce qui nous fait, et depuis là, nous ne sommes pas réunis encore, et malgré ni déclaration conjointe là, ni lettre dit ou pas écrit à l'OEA, nous avons le même contenu. Là, c'est ça qui est venu dans ce problème, que nous pouvons réunir, mais nous avons regardé comment nous pouvons corriger si l'erreur qui est venu dans la nous. Si mes interprétations sont mises en œuvre, comment nous sommes capables de mettre tête ensemble pour avancer parce que nous avons déjà un objectif, peut-être qu'il y a une méthodologie d'application, il y a des droits différents. Et peut-être c'est ça qui crée le problème. Même quoi, nous avons pour nous comment nous sommes capables de mettre ça qui désunit nous de côté, désunit nous de côté, pour que c'est ça qui unit nous, qui guide nous, qui nous sommes pour nous sommes capables d'avancer pour nous mettre ensemble, pour nous mettre pays à sorail et pour nous faire journal parti réel. OK. Est-ce que qui dernier fois parler avec Maurice Jean-Charles parce que lui-même tout, lui dans opposition, lui-même tout après lui mandé pour et président Jovenel Moïse quitter pouvoir. Qui dernier fois parler avec elle? Attendez, en dans opposition, même là nous prenons décision, c'est chaque monde qui dit qu'est-ce qui est à l'aise avec elle, m'a pas parlé avec. Chaque monde qui a une responsabilité, moi crois qu'il était gain deux monde qui était gain responsabilité pour rencontrer petite de Saline. Bon petite de Saline c'est pas Maurice Jean-Charles, attention. Et puis, oui, je te dis pour rencontrer Petit de Saline. Même genre, dans le FND, on monde qui doit rencontrer ces gens-là, c'est FND, on rencontre Victor Benoît, c'est FND, on rencontre Gérald Gilles, c'est FND, on rencontre Aoud Bien-Aimé, qui sont responsables de FND. Et FND, vous rencontrez, parce que c'est des gens qui ont un mandat pour rencontrer Petit de Saline, pour rencontrer Famille Lavalas, pour rencontrer l'autre politique, pour nous garder comment nous sommes capables d'avoir un agenda commun. D'ici la semaine prochaine, pour nous voir comment, quand il y a une commission de médiation qui met sur pied, pour nous voir comment nous sommes capables de gommer pour nous retirer Jovenel Moïse. N'a pas les nationales côté lié. Jusqu'à présent, nous pouvons fin chita d'accord avec et petite Dessaline ni famille Lavalas sous et plan sous stratégie nous gagnons pour remplacer et Jovenel Moïse l'elle fin quitter pouvoir. N'a travail qu'on est mettre processus de mise en commerce, c'est mon bagage qui facile. Nous voit n'a goumen n'a travail sur ça pour nous voir comment n'a fini par réaliser. Nous croyons que nous n'a pas avancé très bien. Mais nous promettons depuis que ça finit d'informer et puis apprendre. D'accord, merci beaucoup, honorable député Arodon Bien-Aimé. Ça a été un plaisir. C'est moi qui vous remercie. D'accord.